Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Pendant plus d'un an, le bâtiment qui est juste derrière moi était un squat qui abritait à un moment plus de 250 personnes. En fait, c'est celui qu'on appelait le squat Bugatti, c'est la rue dans laquelle il est situé. L'immeuble appartient au groupe Lidl et une décision de justice donnée aux occupants jusqu'au 16 octobre pour quitter les lieux. Le 21 octobre, il a été évacué par les forces de l'ordre. Pour Parabole, nous y étions. Depuis moins d'une heure, pour entrer au squat Bugatti, il faut prouver qu'on y réside. Les forces de l'ordre viennent juste de prendre position. L'évacuation du squat est prévue pour le lendemain. À l'intérieur, Lassen Waladji, le responsable du lieu depuis le début, il y a un an, essaye de rassurer tout le monde. On rend le site, tu retournes à l'idée. Ça fait un PSPS ? Non, c'est tout le monde. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire pièce. Mais ça va être plusieurs personnes par pièce, c'est sûr. On ne va pas mettre une chambre par personne, tu imagines, 250 centres. C'est... Certains sont là depuis le début. Ils ont jusqu'à demain matin pour rassembler ce qu'ils peuvent. La majorité, plus de 90%, est d'accord. Parce que c'est tout ce qu'ils demandent. Ils ne veulent pas se retrouver à la rue. Parce que si ce n'était pas obligatoire, ben c'était à la rue. Dans des tentes. C'est là où on les a récupérés, la plupart. Ensuite, c'est les gens qui sont venus à fur et à mesure. À l'intérieur, c'est un peu le sauve-qui-peut. Actuellement, près de 200 personnes seraient encore logées ici, dans une soixantaine de chambres. Parmi elles, il y a Laura. Elle est géorgienne et elle est arrivée il y a 2 mois avec ses 3 enfants. I live in a squat. You know, it's difficult for child. We have no door and we cannot and have no solution and we stay in. But after I don't know what make. Maybe tomorrow helps. Elle a fui son pays avec ses enfants pour échapper à un homme qui la battait et dont elle était pourtant divorcée. Aujourd'hui, elle est dans une impasse administrative. I have not documents and I have not nothing. I know it's better, but I cannot go in my country and it's difficult for me. I need chance and I need to give chance my child's good life. Ici, chaque histoire est particulière et souvent compliquée. Sophie et son mari Mounir sont arrivés ici il y a 2 mois. Ils n'arrivaient pas à trouver d'hébergement d'urgence qui accepte les couples. Demain, on leur a promis qu'ils seraient relogés ensemble. Ah, je vois ça comme une chance parce que vivre dans un squat, je le conseille à toute personne habitant dans un beau 2 pièces ou 3 pièces ou 4 pièces, chauffage, eau, électricité incluse, de vivre une nuit, voire une semaine maximum. C'est Koh-Lanta pour eux. C'est vivre avec les autres, c'est vivre avec d'autres cultures, c'est vivre avec des moyens d'hygiène qui sont limités mais présents, mais illimités. Ici, la Seine a toujours accueilli tout le monde, quel que soit l'état psychologique, ou le pays d'origine du nouvel arrivant. Un mélange des populations, pas toujours évident à vivre au quotidien. La situation il est trop difficile pour nous ici. Il y a trop de problèmes, trop de bruit, beaucoup de mal d'entente entre nous parce que nous ne sommes pas de la même origine, de même culture, de même langue. Tout ça, là, c'est des problèmes pour nous ici. Mais la cohabitation a aussi créé beaucoup de liens. Ici, le vivre ensemble n'est pas juste un concept. Et demain, c'est ensemble que certains veulent être relogés. On est solidaires entre nous. On a partagé plein de choses. Et je ne me vois pas quitter les lieux, avoir un hôtel, sachant que mes amis, mes frères, ils sont dans la rue encore. C'est soit ils ont trouvé une solution pour tous, ou alors c'est pas la peine. Il est 6h du matin, 250 gendarmes, dont 2 escadrons de gendarmerie mobile se mettent en place. Toutes les routes d'accès ont été barrées. À l'intérieur, beaucoup n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Cette pièce était un peu l'accueil du squat. Sachant l'évacuation imminente, les résidents ont pris ce qu'ils pouvaient. C'était aussi le bureau où la scène passait beaucoup de temps. C'est la fin, ça se voit. Ils ont sauté sur tout ce qu'ils pouvaient bouger, c'est voilà, c'est tout, ce qu'ils pouvaient prendre. Comme d'hab, je vais faire quoi de plus? Moi, ils vont donner les listes des médecins du monde, comment ça s'appelle, la liste. Et moi, je vais prendre la liste et je vais faire sortir les gens fragiles que médecins du monde a donné. C'est 9 personnes, une famille, et en tout, il y a 9 personnes.
Laura et ses enfants font partie de ces personnes prioritaires. You know that you will go and you will never come back here, but you do the bed. Yes, I talk why. I live in it. It's mechanic. It's mechanic. I every time what I stay, I first make it. Maybe it's mechanic and maybe a little bit stress. Dehors, dans la cour du bâtiment, c'est ici que les personnes seront prises en charge. Il est 7 heures, l'heure pour Laura et ses trois enfants de quitter ce qui a été leur domicile fixe pendant plus de 2 mois. Juste devant la tente. Oh my God. Ils sont les premiers à partir. Leurs bagages suivront dans un camion. Ces personnes vont être sur le site, sur chacun des 2 sites de mise à l'abri que nous mobilisons pour cette opération. Le site Lioté à Strasbourg, ancien hôpital militaire, et un site hôtelier à Lingolsheim. Eh bien, de façon à ce que sur chacun de ces sites, il y ait une évaluation à la fois sanitaire des personnes qui vont être reçues, mais aussi au plan administratif. Where do you come from? Pour l'occasion, près d'une 50aine de personnes de la Croix-Rouge, de la Croix-Blanche ou encore de la Protection civile a été mobilisée. Des traducteurs aident à faire passer les informations. La préfecture a calibré le dispositif d'après une estimation de 250 personnes à évacuer. Pour l'instant, tout se passe dans le calme. Ça va, je trouve que l'organisation se passe bien. On est servi en café. Les gens sont sympas, les gendarmes aussi. L'équipe technique aussi. Voilà. Mais si l'ambiance est détendue, certains sont inquiets par rapport à l'avenir. J'ai pas réellement d'espoir. Franchement, j'espère juste qu'ils vont aider tout le monde. Qu'ils vont pas faire de différence entre sans papier ou avec. Et c'est tout, c'est l'essentiel. L'humanité avant tout. S'il vous plaît, vous postez. Allez, bonjour. Bonjour. Merci. Il est 10 heures passées. L'opération touche à sa fin. Le bâtiment est vidé de tous ses occupants. Ils ont emporté tout ce qui pouvait entrer dans un sac. Le reste est voué à la destruction. Ces objets et effets personnels sont les vestiges de plus d'un an d'une vie, certes sommaire, mais loin des conditions de la rue. Des associations assuraient des distributions alimentaires plusieurs fois par semaine. Pour la Seine, c'est une page qui se tourne. Tout le monde est placé, c'est ce qu'on voulait. Simplement, ils sont pris en charge. C'est ce qu'on demande depuis le début et c'est ce qu'on fait ici depuis le début. Ce qui veut dire que tous les gens qui arrivent ont fait en sorte de faire que l'État les prenne en charge. Et là maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup de souvenirs. Aucun regret, ça c'est clair. Et au prochain bâtiment, qui sait. Finalement, la préfecture n'a évacué que 145 personnes sur les 250 escomptées. Par peur des autorités, certains avaient quitté le bâtiment il y a quelques jours. Eh bien, comme vous pouvez le voir sur ces images, l'immeuble a été éventré pour éviter que les occupants ne réinvestissent les lieux. Toutes les personnes sont maintenant dispatchées dans différents hôtels de Strasbourg. Par contre, ils n'ont plus de distribution alimentaire. Laura, elle, est logée dans l'ancien hôpital Lioté. Elle a une chambre avec ses 3 enfants. Des démarches sont en cours pour les scolariser. On va passer à tout à fait autre chose maintenant. On va se divertir et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment pour vous. Nous avons assisté à un événement qui s'intitule « La fête de la vie ». Et ça s'est passé à Mulhouse. On regarde. C'est la fête en cette fin d'été au Lerchenberg dans le quartier d'Ornac de Mulhouse. Un week-end organisé par l'association Le Lerch qui a pour vocation d'héberger dans ses locaux plusieurs structures associatives. On a le théâtre alsacien, on a la musique,
on a les scouts, on a les chanteurs, on a les viticulteurs, les randonneurs, les boulistes, etc. Il y a toutes les associations de Dornach qui sont domiciliées au Lerchenberg. Pour sa deuxième édition, la fête a une dimension particulière cette année en raison de la crise sanitaire. C'est la fête de la vie. Il s'agit en fait de célébrer ensemble la vie, voilà, après toute cette situation, ce temps d'épidémie qui nous a quand même empêché de faire beaucoup de choses qu'on aurait voulu faire, beaucoup de choses qu'on a dû annuler. Et maintenant, voilà, on est content de se retrouver tous ensemble. Je n'ai pas de talent artistique, donc je ne peux être qu'en admiration devant des gens qui ont ce talent. C'est en effet des artistes locaux qui ont été invités pour animer cette fête dans une grande diversité d'approches esthétiques. On s'ouvre à tout type d'art et donc on a aussi envie d'avoir un événement qui mette en avant les arts visuels et graphiques, les arts plastiques. Donc d'où ce festival, la Colline des Arts, qui a déjà eu lieu l'année dernière, là c'est la seconde édition, qui propose voilà, aux artistes d'exposer leurs œuvres au public dans un cadre, on va dire, convivial, en plein air, voilà, sur la colline du Lerchenberg. Chaque artiste parle de la vie, chacun à sa manière, comme une réponse à un besoin vital qui habite tout être humain. Je pense qu'on en a besoin justement de fêter la vie après cette période compliquée et ces mois compliqués que nous avons tous passés, artistes, mais... public aussi, donc très content de refaire une exposition après plusieurs mois de confinement, d'absence, de partage. Et j'ai donc réalisé plusieurs œuvres pendant la période de confinement, et notamment celui-ci qui s'appelle « Cœur au neuf virus ». Donc c'est un petit jeu de mots, c'est un cœur sans virus, un cœur plein de vie. Et donc c'est une espèce d'ode à la vie. Pour moi, j'avais besoin de représenter la vie d'une certaine façon. Avec des éléments de printemps, des éléments végétaux, animaux, vivants. Parmi les nombreuses artistes présentes, une d'entre elles connaît de manière particulière le prix de la vie. Elle qui a trouvé refuge dans la peinture. Attaque est déjà rwandaise, je connais qu'est-ce que c'est la vie parce que je suis rescapée moi-même. Donc personnellement, j'ai fait la vie tous les jours. Après les génocides, je n'étais pas bien. Je voulais changer, je voulais aller voir ailleurs, je voulais voler quoi. Je voulais, quelque part, c'était cette recherche de me retrouver avec la peinture en fait. Peindre pour rechercher son équilibre, Marie Fuchs, elle aussi, en témoigne à travers sa peinture en turquoise. Une de ses toiles témoigne de son expérience du confinement. La seule toile que j'ai faite un petit peu en rapport avec le Covid, c'est celle avec le chat. Enfin, cette image était apparue sur Facebook avec une légende du chat qui attendait la sortie, la souris qu'elle sorte de son trou en disant « ça y est, le confinement est fini, tu vas sortir, je vais pouvoir te croquer ». Après ce week-end à l'écoute des artistes qui invitent à croquer la vie à belles dents, l'association du Lerch pense déjà à sa prochaine grande manifestation dans le cadre du marché de Noël, si toutefois le virus le veut bien. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.